Capage TV. Capage TV. On va lui dire Emmanuel. Yeah, Emmanuel. Emmanuel. Come on. C'est mon amour. Ce soir. C'est mon alombo. Je suis à la fin de l'année, mais je crois. Yeah. C'est le temps. C'est le temps. Emmanuel. Il te reste quelques jours pour clôturer l'année. J'aimerais que tu le dises avec nous, Emmanuel. Je ne t'entends pas, s'il te plaît. Tous ensemble, Emmanuel. Emmanuel. Bazaba na moko bazaka kopesa nga esengo banda babotama. Nalula ka biloko mokilite me nalula ka oyo nzambe ya chekati ya bana na nga yango na sai nini na pambola ka lango nzambe. OK, merci. Et Isaïe aujourd'hui a eu la chance de sortir avant. Bon, moi je dirais même pas que c'est une chance de sortir avant, mais c'était par rapport à notre planification. Je pense que non, dans mon été, en fait, souci à papa Nyonso, ils ont la rabouti moine. Moine à Koli, à Tangi classe à Koli, à Bali. Mais cela ne veut pas dire que allons-nous moine à Tata. Un bon papa. Là, c'est un bon papa. On doit faire un featuring. Voilà, c'est déjà une demande. Merci beaucoup. En fait, le bouclier, la parole de Dieu en train de nous dire dans Psaume, la Bible dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Donc, le bouclier ici, n'allez pas dans des imaginations, c'est la représentation du Christ. Donc, au moment où tu as Christ comme bouclier, tu es intouchable. Dieu vous bénisse. La lumière derrière. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Merci beaucoup, merci vraiment. Et l'épée derrière. L'épée c'est la parole de Dieu. Voilà. Je peux vous avouer que Esaïe, c'est l'une des grâces que le Seigneur m'a donnée et pour laquelle je n'aurai en aucun jour de regret. De regret. Esaïe c'est mon fils. Mais un fils pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'amour. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h, avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint des bains et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ata bébé en pakola, on va foutre à la vie,
Je suis un naturel. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Oh, vous avez depuis Air Nunia. Ah, capable, je m'en ai découvert bio air de cacao. C'est ça, boy? Oui. Oh, et puis, je suis là, 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 je diabète et qui là, je suis là, je suis là, Tika! Et tu te rappelles que tu es bio herbe cacao oil. Non, 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 non. Et ça, le traitement est belé. Et pas la bise au bas, et des bouchards à la trompe. Et ça, la rappelle que sucré, du miel, quand tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Oui, la règle douloureuse. Oh! On y a ta. Non, mais là, on a pourquoi? Na uti musala na zala ngu. Oh. Eti biso bata bihogo. Siki yo zedi adu eni na mwabandaka. Makala. Ina ngu kapa toujours en forme. Toujours, toujours. Na kapa shinde ini awa wati ntuka ndi. Toujours. Obatama na kata bio herbe kakao. Bio herbe kakao. Vraiment balandi ya Congo. Partout na mwono. Umani sekre kope sanzo to kolongo no. Mobali yo mwasa zo reklamaka kanche wako mwini bambanda libanda. Utika bio herbe kakao. Olanda bilanda landa biso bata ba siko to mela recycler chaque fois on a mis misu tout yango bio air capacha lo bia ba douleur ya libumo ba baba avant ba wapi ba wapi na ba rein nyoso ah tika circulation sanguine nyoso bien et très rapidement ma tige zo circuler ma case bien oya ko yo ka biso trop ba AVC yo ka makam yango nezo traiter yango base monde to sana ba façon pesa partout hein monde entier. Partout dans le monde. Aux ans à Brazza. Bah, numéro de Okuma. Aux ans à Irlande. Aux ans à États-Unis. J'étais en train de dire Esaïe Ndombe pour les intimes, Izzy. Est né dans une famille chrétienne dont j'ai parlé qu'il y avait il y a 6 enfants. Il est le 3e, donc 3 garçons et 6 filles. Esaïe a commencé sa carrière, je peux l'appeler comme ça, sa carrière musicale étant enfant de Dieu, à la chorale, Suivizo, juste une chorale de l'église, du quartier. Et juste après, sa croissance dans l'œuvre de Dieu, c'est en 2015 que notre frère Esaïe Ndombe intervient à la chorale, plutôt à l'orchestre du pasteur Mike Alambaye, Shekinah Music. Pour ne pas beaucoup parler de notre frère Esaïe Ndombe, je me vous inviter tous ensemble à se tenir debout. Nous allons accueillir l'artiste. C'est avec lui que nous allons découvrir plusieurs de sa carrière. Sans plus tarder, l'artiste Esaïe Ndombe. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ça va? Oui, je me porte très bien. En forme? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre frère Esaïe, s'il vous plaît? Je le sens tellement relaxant. Avant tout d'abord, nous sommes rassemblés tous ici pour la sortie officielle de votre album. Ok. J'allais poser une question avant que tu puisses nous présenter au moins 2 cantiques de ton album. Pourquoi okay. Tu as choisi le nom de l'album Assurance? Je sens un mot et après nous allons entendre. Bon, avant d'aller plus loin, yes. D'abord j'aimerais dire un grand merci. Merci au Seigneur pour sa grâce. Et d'avoir rendu cette assise possible. Yes.
Et un grand merci à mon label Madjabou Gospel. Yes. Et aussi à ces hommes de Dieu, à ces grands publics qui sont devant moi. Je vois mes yaya, je vois mes pères qui sont là. Et particulièrement, je vois ma mère. Est-ce qu'on peut l'accueillir, maman Francine? Wow. Tiens. Voilà. Et rapidement, j'aimerais aussi dire un grand merci à un homme qui est très cher pour moi. Okay. Moi, je l'appelle Homme Chemin. Okay. Donc, si vous me voyez aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Il est une école pour moi. Il est un modèle pour moi. Okay. Il est beaucoup pour moi. C'est la personne de Pasteur Mike Kalambay. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour Est-ce qu'on peut acclamer pour mon daddy qui est là? Mais également un grand merci à tous mes aînés qui sont là et à mes frères qui sont là. Je vois Papa Bailo, adorateur Paul Bakenda, il y a Nelson Kikem, Papa Fiston Kongolo, ils sont là très nombreux, les hommes de Dieu, très heureux. Je vois Papa Benjamin, très heureux d'être là cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur disposera son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Nous sommes dans la génération Joël. Balance la main, balance la main. Balance la main, balance la main. Toi qui es là ce soir. La pluie du Saint-Esprit envahit ma vie. Le temps du réveil entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Le vent du Saint-Esprit souffle en ce lieu. Ouvre, déploie et touche-moi. Oh, ouvre, déploie et touche-moi. Oh, sens-toi libre dans la présence de Dieu, tu peux le faire avec nous. Emmanuel. 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 Ta présence là. Même pendant que tu es seul, il est là, il est là. Ta présence, oh, 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 oh. Ta présence là, lave la main, tu es là, près de moi. Jésus, je sais que tu es là, tu es là, près de moi. Jésus, ta présence là, tu es là, tu es là, oh, oh. Il est là près de toi. Ce matin, tu es là dans ma vie. Amina, symbola loboko na yo.
Amina yo 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 yo. Sala miracle le lo cet après-midi. Amina yo 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 yo. C'est bon là le beau Yesu. Tu ne seras jamais la queue mais la tête. Alléluia. Na kode fate. Olo baki nanga yo yo. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Na kosa la moto. Il m'a dit que na kode fisa mais na kode fate. Tu seras combattu. Mais jamais abattu, jamais atteint. Oh, Sananelo. Rabashali, Rababash. Oh, Sananelo. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu peux déchirer le ciel pendant ce. Minutes, je peux dire un mot à Dieu. Cette journée n'est pas seulement une présentation d'un album ou une sortie officielle, mais également c'est un culte pour toi. Tu peux recevoir la chance que tu attends de mon nez depuis le début de cette année. Adresse une prière à Dieu. Oh, 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 oh. Il dit dans sa parole, dans Proverbe 3, le verset 26, il dit, car le Seigneur sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Je ne sais pas ton assurance, je ne sais pas quelle est ton assurance. Il y a quelqu'un qui a assurance comme Christ peut faire ça. On va faire ces morceaux ensemble. Assurance alibota nangaye Yahweh Nachelio Motema Motema avec la salle. L'assurance alibota nangaye. Tu peux monter encore. Assurance à l'ibota. Yahweh. Natchelio. Même quand c'est difficile, je m'accroche à toi. Emmanuel. Yeah. Monte mananga na sobi liboso na yo papa oyebi yango bien na da otale la ranani otale la ranani. Les autres s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous, nous avons que Jésus Christ notre bouclier, notre assurance. Yelelelelele, yeah. Motema nanga na sopi liboso na yo. Papa oyebi yango bien na talela kayo. Papa bana moyo ki.
na suka yonde yano nanga ensemble monte mananga papa tu le sais bien Jésus papa bané d'aller là et même quand tu es à bout même quand tu es dans le noir atana komi lève la main on va le redire monte mananga na sopie yes Jésus oye biango bien Zambalone Papa Banae Moyoki Yes Atana Komina Suka Yeah Oh Assurance Alibota Nangae Est-ce que tu peux pousser le cri de joie?
de perturber les choses. Excusez. J'apprends que Esaïe n'avait prévu que deux chansons. Je vais faire vraiment une demande pour un troisième chant. Ah oui. On va faire une demande pour un troisième chant. Et ce sera Jéhovah. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ce refrain. Est-ce que vous sentez combien c'est puissant? Est-ce que vous sentez combien c'est fort? Je réalise qu'encore une fois, le Seigneur, par le canal d'Esaïe, aura béni plus d'une personne, mais surtout a provisionné son église en termes de chant. J'aimerais que tu chantes ça avec nous. Emmanuel. J'aimerais que tu le dises avec nous, Emmanuel. Je ne t'entends pas, s'il te plaît. Tous ensemble, Emmanuel. Emmanuel. Yahweh. Pour une dernière fois, Emmanuel. Yonde moninga kochela motema moninga malamu e betsa mololo mololo. Pendant que maman avance, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur que pendant que la maman d'Esaïe, la maman biologique d'Esaïe Ndombe. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette maman qui est une servante de l'Éternel, qui a encadré pour nous notre frère Esaïe? Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma paix est venue en la combo na Yesu. Esaïe Bélé. Esaïe na boti bango baza 6. Baza 3 filles, 3 garçons. Na sengi mukie na leka na sima. Façon na moni ba bagage ya ba permanent. Na pamboli nzambe. Esika Esaïe auta yango wana. OK. Na zalaki na bana na ngai koboko la bango kaka na permanence. Banda zalaki mwana mukie. Apesa ki deja talent na ye. Nyoso o eleki sikoyo ezali ya kokumisa lango kaka nzambe. Bala nanga bakola kikaka na kati église. Lelo yo nazo pambola nzambe makasi pona komona likambo yo ezo sala makati na moma oyo. Peko pambola papa Mike Kalambai. Eza ebele soki na lobito banda sikoyo. Eko zalati lobi tozo continue kaka na koloba. Azamwa na moko na ebi ndenge ninga na kolobela. Bango nyoso 6 baza bayembi. Balakisa kinga talent na bango tango bazalaki bana mike. Ndako nangeza laki soki okomi okokuta kote kuna bache linzanza. Kote yo bache banzete. Biloko nyonso basala kalango miziki bano bamande kosali langa bazana no bana mike. Eza nata oyo koki koluka Esaïe amati likolo nzete. Esaïe ozo sala nini mama nazo fungola mungongo na ngai. Nazo fungola mungongo na nga.
Bazaba na moko bazaka kopesa nga esengo banda babotama. Nalula ka biloko mokilite me nalula ka oyo nzambe ya chekati ya bana nanga yango la sani ni na pambola ka lango nzambe. OK, merci. Merci beaucoup maman. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour maman s'il vous plaît. Oh, nous allons passer maintenant à la séance d'échange questions réponses avec la presse que nous saluons déjà qui sont parmi nous. Et pendant quelques minutes, on va nous aménager ce lieu. Et j'aimerais inviter encore sur cette estrade notre frère Esaïe va revenir. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Notre frère Esaïe sera accompagné du directeur technique de Majabu Gospel. Majabu Gospel qui est le label de notre frère Esaïe Izzy Ndombe. Merci beaucoup. Pendant qu'ils sont en train de reprendre place, nous allons rapidement commencer avec la première série de questions. Cette fois-là, je pense que la presse, elle est prête. Merci beaucoup. Je suis Isaac Maï de Kin 24 Télévision. L'émission, c'est Grosse Caisse. J'aimerais d'abord louer et glorifier l'Éternel parce qu'il nous a donné un chantre qui a vraiment de l'inspiration. Je viens de suivre les frères Esaïe pour la première fois. Je sens qu'il a vraiment quelque chose en lui, un don de Dieu qui doit assurer, préserver. Sinon, en tout cas, on va glorifier l'Éternel pour ça. Mais parlons de l'album. L'album, c'est Assurance. Un album qui contient combien de titres et dans quel état d'esprit l'aviez-vous fait? Et je vais poser la question, ma deuxième, à monsieur le directeur de production, Madiabou. C'est vrai que Madiabou a commencé par une compétition qui a vu, je crois, 4 gagnants qui ont été plébiscités, que nous avons tous vu le premier jusqu'au quatrième. Mais qui, depuis tout ce temps-là, on n'a jamais vu un album d'un de ces 4, sinon des singles qui sont sortis, je ne sais pas si je m'abuse. Et qu'est-ce qui fait que lui, Esaïe, qui n'était pas parmi les premiers, et aujourd'hui cette faveur d'avoir un album plutôt que ceux qui sont désignés premier, deuxième, troisième et quatrième, selon l'ordre que Majabo a établi. Sinon, ce sont mes deux questions. Merci. Merci. Voilà. L'album comporte 10 titres. Et l'état d'esprit de cet album, c'est dû à mon histoire, c'est dû à ma vie. Et à un moment, j'étais à un pas de la mort, si je dois le dire dans cette direction. J'étais à un pas de la mort, j'étais complètement perdu. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. Et je ne vais pas entrer dans le détail. En ce moment-là, le Seigneur m'est apparu. J'ai vu le Seigneur me dire que Esaïe, tu ne mourras pas. Je suis ton assurance. Et rapidement, je me suis vu dans le verset Proverbe 3, le verset 26, qui dit « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler cet album « Mon assurance » et d'avoir Christ comme mon assurance. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je prends la question de M. Isaac, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qui fait que Majabu, on a commencé par une compétition, et puis après, on a eu 4 gagnants, et Esaïe aujourd'hui a eu la chance de sortir avant. Bon, moi, je ne dirais même pas que c'est une chance de sortir avant, mais c'était par rapport à notre planification. C'est vrai, lorsqu'on planifie quelque chose, il peut y avoir de modifications à un programme, de certains programmes, mais tout ce temps ici que ça a pris pour que les gagnants de Majabu Talent ne sortent pas encore, c'est parce qu'il fallait
qu'ils entrent au studio, travailler sur leurs chansons et se rassurer que les projets soient un projet qui est présentable, se rassurer que le projet soit un projet, je peux dire, consommable. Parce que lorsque vous prenez un artiste aujourd'hui qui sort d'une compétition, certains pour eux peuvent être des auteurs, compositeurs, d'autres qui peuvent être que des compositeurs, d'autres qui s'arrêtent au niveau des auteurs par exemple, et d'autres peut-être pour qui il faut faire tout ce travail-là. Alors ça c'est le travail que le public ne voit pas, raison pour laquelle certains d'entre eux ont été coachés, entraînés, et au moment où nous avons vu qu'il fallait les lancer, c'est en ce moment-là qu'on a mis toute la machine en marche. Et sans trop traîner là-dessus, vous allez voir que d'ici peu, vous allez voir les gagnants de Majabu. Déjà, ils ont déjà commencé, même parmi les quatre. Si vous nous suivez, vous allez voir qu'il y a Manassé, c'est vrai qu'il a lancé un single, mais là, on a lancé un autre album qui va sortir. Et dans quelques jours, en tout cas, pour pas longtemps, vous allez voir les autres albums des gagnants. Et s'il faut revenir sur le frère Esaïe, c'est parmi les artistes Majabu. Bon, j'aimerais le dire un peu en lingala, il y a Tongo, s'il faut le dire ainsi. Ça veut dire Baza, parmi les premiers lots des Majabu à être signés. Et ce qui fait que, pour son projet, c'est vrai d'ailleurs, moi je dirais, il a été très patient, dans le même lot que le frère Gamaliel, qui est là. Avant même la compétition, ils ont été signés. Et tout ce temps ici que ça a pris, bon, ils étaient aussi à un moment prière, mais on voyait également par rapport à notre planning pour qu'elle puisse sortir, parce que après cet album, il y a un autre, d'autres albums qui viendront. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Larsène Benda, journaliste de Tocomia Plus Télévision, présentateur de l'émission Son de Gamaliel. Alors, na otuna mutuna na lingala, parce que normalement la française ma kasi awa, apparemment ça ne nous aide pas. Tozana balé qui n'a vu sur les enfants qui ont besoin vraiment d'auditionner ce que nous disons. Je vais commencer d'abord par le frère Izzy. Izzy, le lot awa aux 8 décisions, il y a au banda carrière solo, au tiki daddy wapi. Est-ce que daddy, tant au tala daddy, au sa la carrière solo, est-ce que daddy n'a pas du mal à constater que son fils bien-aimé est parti? Question à mi-balé. Moutouna à mi-balé. Kuntoa là. Question à mi-balé en gros. Est-ce que vous solo li bien à producteur nao? Parce que biso ba journaliste comme ma victime, y'a revivre ma spectacle entre l'artiste et son producteur. Nous avons du mal de constater que beaucoup de nos frères basalara très touchés, carrière na bango ezala na ba problème sérieux sur la manière dont ba travers na ba producteur na bango. Est-ce que aux 8 ans ko solola na producteur non malam? Je vais terminer par Majabu. Majabu gospel, félicitations, parce que lelo nous pouvons lire ba talent o batamaki to mon ango pe na polele. Na na posa bo ibisa biso. Condition nini bon méta pour faciliter l'artiste Moussou Bakota, puisque apparemment c'est comme si Majabu ils a réservé la classe ya Batumo Boy. Il y a des artistes qui ont du mal ya Okota na Majabu pe baza la sélectionner. Non seulement les artistes, je parle aussi pour nous les journalistes. Vous pouvez constater que bisonyon so ah les journalistes nous travaillons, nous faisons la promotion de Majabu, mais malheureusement c'est comme si Maramuzara nengenge. Dites-nous un peu conditionnelles à la ranine. Merci. Merci. On commence avec le frère Esaïe. Voilà. Je pense que non, dans mon été, en fait, souci à papa Nyonso, ils ont la rabouti moine. Moine à Koli, à Tangi classe à Koli, à Bali. Mais cela ne veut pas dire que à l'ouïe moine à tata. Un bon papa. Là, c'est un bon papa. Mais je m'en souviens, c'était en 2017, quand papa Mike est venu chez nous à la maison. Aïbissi, maman Francine, pesanga moi na oyo, na salaye moutou. Donc,
je pense que ils ont le problème t'es parce que souci il y a Daddy Mike Alambay ils ont vraiment la bas na eba évolué donc de ce côté là et qu'en de bien et puis souci naie abandonné bisanga chaque fois que easy moi je veux te produire na lingio zalabo et au moment où le label Majabu est venu Daddy m'a livré entre ces beaux mains qui est Majabu Gospel. Voilà. Merci beaucoup. Nazongi na question ya condition nini Majabu azana yango pour que ba artiste même parler de journalistes bakota na Majabu. A Majabu, je crois na répondre déjà na question, j'avais dit que ezana ba porte belé à côté là. Mais certaines portes on a rôle bela o isa visible na miso bato. Nazongi na question mso so el bosso za ki wana sa di compétition Majabu talent on a Majabu Rafiki. Ouais, pour ne citer que ces deux là oyo ba artiste bayaka. Vous allez rester sans ignorer que ils ont permettre na ba obayebana kité bayebana. Même les petits enfants, ils viennent et aujourd'hui même na mutokuto a sala ta carrière, il peut commencer de zéro et jusqu'à ce que le public ait découvrir, il a des sollicitations, il peut lancer un projet aujourd'hui et un projet peut marcher. Donc ça c'est déjà parmi les portes d'accès, je peux dire à Majab. Au-delà de ça, il y a certains projets où yaka de gauche à droite au batuba bazanga te ko yakobeta na porte na biso. Quand on écoute un album, parce que nous recevons des maquettes tous les jours, je pourrais même faire rire parce qu'il y a un jour, j'ai reçu un bien-aimé à vous présenter un gars à l'objet. Naza a 1500 chansons. Ça veut dire, na komara chaque jour. Je me suis dit, waouh! Donc, pour lui, il écoute les chansons tous les jours et puis il écrit tous les jours. Je me dis, à ce genre de projet, qu'est-ce qu'on fait? Tu recevras ma maquette, on reçoit les projets, on dit, ok, vous pouvez attendre parce que pour l'instant, on veut d'abord, bato to pese ba promesse, liboso, tosi sinon on a bango, on veut être réglo avec eux. Après Torozong. Et si cet album-là, ils ont marché ensemble, na ba valeur na biso, ça veut dire, ils ont kené nengemo kona vision na biso, on avance avec ça. Pour dire qu'on n'est pas seulement un cercle fermé, je peux vous donner un exemple. On était avec le pasteur Atoms, qui nous a rejoint. Il n'a pas été signé avant. Ouais, il y a la collaboration avec le pasteur Lot, qui sont des albums au Etosuit, toi accompagné en gros, mais qui n'ont pas été signés à l'avance avec le label Majabu comme étant des artistes maison. Ouais. Donc, pour les journalistes, ne vous en faites pas. Pour dire que vous êtes déjà les nouvelles figures aujourd'hui qui sont là à la conférence de presse. Des autres conférences, peut-être Ezaki Bandeko Moussous. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes meilleur dans votre travail, vous travaillez bien, ça veut dire si vous êtes là, vous êtes bien dans votre domaine. C'est la raison pour laquelle nous vous sélectionnons parce que Majabu veut l'excellence, Majabu veut des choses meilleures. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Tony Nkoko, Kuntuala, RTGA. Je voudrais d'abord commencer par présenter nos voeux le meilleur à tous. Faizaï Ndombe, surtout félicitations également. L'organisation, comment vous avez pensé à commencer à partager un repas avec les enfants en rupture familiale et d'autres orphelins, puisque moi également je suis orphelin, ça m'a vraiment touché. Alors, frère Esaïe, je te félicite d'abord aussi pour cette fidélité. Tu m'avances de dire que l'adage qui dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse, qui veut dire changer dans la vie, c'est pas bien. Tu as été fidèle avec le pasteur Mike Alambay, qui est un homme de Dieu qui a un cœur ouvert pour les autres également, pour aider les autres. Je connais pourquoi je dis ça, je t'ai vu venir. Hein. Je ne parle pas de l'âge ici, hein. Je t'ai vu venir. Et comment tu as commencé? Félicitations pour cet album, Assurance, qui est ton tout premier album. Mais je voudrais au moins comprendre vraiment, Assurance à Nini. Parce que l'assurance, pratiquement, c'est avoir confiance en soi-même. Assurance à Nino, sous-titrage Assurance. Pour nous, Baksagi, Jésus-Christ était. Pour nous, Baksagi, Dieu était. Pembe, Notigigaga, Assurance. Et puis, le directeur, je pense que le figure
présente ici à la conférence. Nous avons déjà participé à plusieurs fois à ma conférence à Madjab. Il n'y a pas de ma tête à Sika, oh bah Tozalara Nabino, tu accompagneras ma activité Nabino toujours. Ce n'est pas la première fois que tu participes à la conférence. Voilà un peu, c'est une question, une préoccupation que j'avais. Félicitations Esaïe. Vas-y. Yopinamo, Jamanzembo. Et c'est là que je suis cher de poule dans le monde. La santé est venue à la présence de Nzambé. Continuez, bon, quand on a papa, on a eu, on a monté au fond, on a pour un bateau. Parce que solité, on a dit, on a dit, on a dit, on. Alors, une petite question qui me vient également. Est-ce que as-tu pensé à réaliser un featuring ou bien une collaboration avec le pasteur Michael Amai? Voilà mes questions. Frère Isaïe. Merci beaucoup. Lui, c'est mon vieux. Hein. C'est mon vieux. Il me le disait à chaque fois que petit yo, mon gonorozwa yo, na kozwa gawakanami. Lui, c'est mon vieux. En fait, pourquoi Assurance? J'ai décidé d'appeler cet album Assurance, c'est en guise de cause. Ce n'est pas une copie collée. J'ai vécu ces choses. J'ai vu ces choses. C'est toute une histoire. Déjà, dans ma vie, j'ai vécu des moments très sombres. Des moments sombres, j'étais dans des chaos. Et j'ai vu la main de Dieu me toucher pour me sortir de ces situations compliquées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé personnellement d'appeler cet album Assurance. Assurance comme Christ. Parce que le monde peut t'assurer. Déjà dans ce monde, il y a plusieurs assurances. Il y a l'assurance vie, il y a l'assurance santé, il y a l'assurance automobile. Mais l'assurance des hommes vient que quand tu te trouves en danger ou au moment où tu es déjà victime. C'est en ce moment-là que l'assurance des hommes intervient, au moment où tu es déjà victime. Mais pourquoi j'ai choisi d'appeler cet album Assurance qui est Christ? Pourquoi? Parce que si tu as Christ comme assurance, son assurance intervient avant même que les dangers arrivent. L'assurance qui est Christ te permet, en fait, comme dit la Bible dans Proverbe 3, le verset 26, l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Donc, en lingabu tout est likamboya, poye akoma, alingate au tombé malade. Parce que l'assurance santé entre en vigueur au moment où tu es tombé malade. L'assurance automobile entre en vigueur au moment où au sali accident. Mais assurance en zambe, c'est-à-dire tu es épargné même du danger. Et il va te révéler déjà bien avant que demain ne sorte pas, il y a un couac. Voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler cet album Assurance. Featuring avec mon daddy déjà, c'est... Bon. Daddy, depuis qu'il m'a pris dans ses mains, il a cru à ma grâce. J'ai commencé à chanter avec lui. C'est depuis 2016. Et au moment où je me suis accroché à sa grâce, je l'ai trouvé en train de réaliser un album, je pense, Kumama Daddy. Je suis une étoile. Et Daddy, il y avait une chanson là, il devait chanter ça avec un de ses frères. Alors au moment où il m'a vu, il m'a dit, Esaïe, je sens dans mon cœur que je dois faire cette chanson avec toi, mon fils. Kumama Yesunangai. Kumama mosantu na lola, toye koyembela yo, to memeli yon pa kamalasi, to sopi mite ma yesu, basantu to tomboli bon zambe na yo. Déjà, na ebande luana, dadi abande dope sa ba passe. Donc, j'ai commencé déjà à avoir des featuring avec mon daddy depuis longtemps. Et je crois qu'après ici, daddy, on doit faire un featuring. Voilà, c'est déjà une demande. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre la dernière question pour clôturer. Merci. Joey Star pour le compte de PSTV.
Ici, j'allais féliciter le pasteur Mike Kalambay pour le travail bien fait. Et je suis dans la patience, en tout cas, d'avoir le CD et de l'écouter. Ma première préoccupation, cher Esaïe, à quel moment Madjabou a cru en toi? À quel moment? On parlait tout à l'heure des figures qui ont excellé dans différentes compétitions, mais qui n'ont pas hérité de cette chance. Alors je me demande, à quel moment est-ce par influence du pasteur Mike que tu as hérité de cette place? La deuxième question, le casino de Paris. Est-ce que le casino de Paris, c'est le sommet de tes attentes? Parce que tu es passé en Afrique du Sud, au Palais du Peuple, il y a eu tant de productions. Mais le casino de Paris a un sens, une signification à tes yeux. Et la troisième, la dernière, assurance. Ne contient-il pas une rumba ou plutôt un louange, une chanson de louange? Parce que les deux titres que j'ai écoutés, c'est plus l'adoration. Mais sinon, tu sais bien le faire. Merci. Pasteur Mike, Lélo né Lélo. Voilà, merci beaucoup. En fait, Madjabou, je dirais, c'est vrai que nous vivons dans un monde des connexions. Déjà, pour aller au ciel, tu dois être connecté, tu dois avoir Christ. Sans connexion, tu ne peux vivre. Mais au-delà de ça, me voir à Madjabou, c'est une grâce. Là, il n'y a pas d'explication. Parce qu'au Congo, en Afrique, dans ce monde, il y a plusieurs grâces, plusieurs talents. Et si Madjabou a porté son choix sur nous, je dirais plus que c'est une grâce. Là, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de... Voilà. Donc Madjabou, c'est une grâce. Mais voir à Madjabou, c'est une grâce. Voilà. Et le prochain... Voilà, Casino de Paris, c'est un de mes rêves. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et surtout dans cette année 2023, moi je me disais, ah, bah poto, on a bon, tout ça, la vie Zambé. Un jour, le Seigneur nous fera grâce. Déjà, pour être véridique, je ne connaissais pas Casino de Paris, la salle Casino de Paris. Or, la salle Casino de Paris, c'est parmi les grandes salles de ce monde. Alors, Dieu m'a fait grâce de me retrouver parmi le chantre qui devait prester. Donc, pour moi, c'est une grâce aussi et un grand plaisir. Voilà. Voilà. Dans cet album, il y a une multitude de mélodies. Papa Mike, au-delà d'être un père, c'est un coach. Et être à côté de lui, ça nous a permis d'aller dans plusieurs horizons. Et dans cet album, il y a la rumba, il y a l'afrobeat, il y a le seben. Je crois que le peuple de Dieu sera énormément béni dans toutes les dimensions, artistiquement, mais également spirituellement. Il y a aussi Rumba Trap. Voilà. Okay. Voilà, Rumba Trap. Voilà, Rumba Trap. Et Tabi, tu as une zone pour le compte de Qu'une Tendance. Merci à Pasteur Mike. Parce que ce Pasteur Mike, témoin, je veux dire en lingala. Tu es vraiment, tu es mingi. Toye ba frère Isaïté. Les aînés ont déjà posé pratiquement toutes les questions. La question d'un Yézaboué, toujours le premier pas, c'est toujours très difficile. 10 titres, c'est quand même beaucoup. Je veux juste savoir, lingala, merci aîné. L'aînéba, 10 titres, c'est belé. Est-ce que Pasteur Mike a soungu na moi i, na moi virgule, ou est-ce que c'est pas vérité na bo solo? A sunga ki ou ebisote? Izibongisa awa, comme tout parent. Merci. Il y a 10 titres. Et puis, merci aimé. Taba inene ba souni le kinabaron. Et surtout, on a 10 titres. Papa et moi, a tié combien, yo potié combien. L'oba vérité. Nandenga bien. Osombi pe combien.
Et surtout quand tu chantes, on sent que c'est vraiment le fils de pasteur Mike. Si il n'y a pas qu'on quitte, il y a rejoindre. Bien, Marcus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Tabitha. Et je pense que vous m'avez bien suivi au début. J'ai dit que Papa Mike, au-delà d'être un modèle, c'est une école. À ses pieds, j'ai appris à écrire, j'ai appris à parler, mais également j'ai appris à écouter la voix de Dieu. À ses côtés, j'étais comme Samuel avec Élie. Il y avait des moments où je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu, mais lui me disait, Esaïe, écoute ça, écoute ça. Je pense que mon album, c'est le fruit en fait d'être à ses pieds. C'est le résultat d'être à ses pieds. Et par la grâce de Dieu, à chaque fois que je venais, Daddy, regarde ici. Il y a une phrase ici, non, fais ça. Et il m'a laissé, il m'a dit, va avec ta force. Je sais que tu feras mieux. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci. On clôture vraiment par là. C'est la dernière question. Et puis, nous allons passer à autre temps. Ok, merci bien. Je suis Priska Kabangu, je suis journaliste à Jeudi Télévision. Monsieur le directeur de Madjabou, parce que là... C'est comme si on posait qu'à Esaïe des questions. Une question pour vous. Connaissez-vous Maranatha Célébration? Ça, c'est ça, une question. Parce que nous étions ici au mois de mars. Nous avons vu cette célébration, une très grande célébration. Mais si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas vraiment vu la visibilité des Madjabou Gospel. Et même sur toutes les plateformes, je n'ai pas vu Madjabou Gospel publier ce que votre frère, ce que votre talent a fait le jour au mois de mars, si je me rappelle bien. Y a-t-il une rupture? Qu'est-ce qui s'est passé entre Maranatha et Assurance? Avez-vous préféré Assurance par rapport à Maranatha? Et puis la question suivante, bien, nous sommes ici, la sortie officielle de notre album Assurance. Mais y a-t-il une suite, une promotion après pour notre frère? Parce que vous savez, il faut vraiment faire beaucoup pour promouvoir le frère. Parce que ça ne s'arrête pas qu'ici. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour ces deux questions. Par rapport à l'activité Maranatha, oui, je connais l'activité Maranatha. Nous connaissons l'activité Maranatha. Ça, vous parlez d'une activité qui a eu lieu ici. Mais je peux aussi vous répondre que nous avons le projet Maranatha, nous avons accompagné ça, qui est un live recording. Si vous tapez sur les plateformes aujourd'hui, vous allez voir, écouter toutes les chansons, peut-être qui ont été exécutées le jour de cette activité-là. Donc, c'est un live recording, en format live recording, nous avons accompagné ce projet-là, qui est aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement. Alors, pourquoi n'avons-nous pas relayé l'activité de notre artiste Esaïe, est-ce qu'il y a une rupture ou quoi? Je répondrai à ça. Madjabou accompagne. Ça veut dire qu'il y a des projets aussi des artistes d'une manière particulière, où quand ils viennent, l'artiste peut se dire, bon, moi j'ai besoin de faire mon activité tel jour, j'ai besoin de ceci. Nous regardons également par rapport à notre calendrier. Cela ne nous empêche pas de l'accompagner. Ça veut dire l'accompagnement, il y en a sur différentes formes. Oui, en termes de visibilité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour dire que nous accompagnons d'une manière ou d'une autre nos artistes dans leurs différents projets. Mais l'envergure ou bien la communication que nous allons porter par rapport à ça dépendrait également de notre calendrier et des quoi que nous avons en cette période-là. Donc, je crois avoir répondu à votre question. Et par rapport aux différentes sorties que nous avons, est-ce que nous avons réfléchi aux stratégies des communications? Je vous dirais oui, nous avons fait ça et présentement nous sommes en train de continuer parce qu'il y a toute une équipe des managements qui est en train d'accompagner les différents projets que nous sommes en train de sortir chaque jour et surtout pour cette fin d'année. Et pour l'album Assurance, il y a également tout un accompagnement stratégique qui est en train de suivre et vous le verrez très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette étape ?
Kev, s'il vous plaît. Okay. Il y a une dernière question. Bon, je ne sais pas si c'est la dernière, mais vous avez... Je ne sais pas si vous avez oublié, mais je pense que cela vous a échappé. En fait, vous êtes venu et vous avez trouvé les enfants. Les enfants. Voilà. Okay. Très bien, merci. Bonjour à tous. Ça n'allait pas finir que je ne pose la question. Je profite de cette occasion d'abord pour remercier le pasteur Mike. Aujourd'hui, malgré que c'est vous qui êtes à l'honneur, mais c'est aussi le pasteur Mike qui est à l'honneur parce qu'il a aujourd'hui sorti un fils. Chose que beaucoup d'artistes musiciens, vous serez d'accord avec moi, qui n'ont pas fait. Alors, ma question... Je vais la poser à Dété. Dété, s'il vous plaît, vu la capacité financière qu'a Madjabou et la magnanimité, disons la générosité que vous avez, c'est pas le manque d'argent qui vous a poussé à choisir ces milliers pour faire votre sortie officielle. Ma question va tout droit à vous deux. Pourquoi les choix de l'Église dans sa présente church pour la sortie officielle de l'album Assurance? Et pourquoi l'artiste a choisi le faire avec les orphelins? Est-ce que Izzy était un orphelin? Je dirais non, parce que nous avons pris la présence de la maman. Pourquoi les choix sur les orphelins? Merci. Ok. Merci beaucoup. Puisque la question est à nous deux, bon, le premier volet, je le prends. Avec tout ce que Madjabou a plutôt, pourquoi avons-nous choisi ce cadre? Bon, comme je vous ai répondu, nous entrons dans la vision de nos artistes. Et sa vision pour cet album, c'était de le célébrer avec les orphelins. Et ça devait se passer, comme je le disais, je le dirais plutôt dans un sanctuaire, un endroit où se passent les cultes. Et le cadre a été choisi pour ici, pour qu'ils puissent communier avec ces enfants qui ont peut-être, ils se disent, bon, on ne voit pas une lueur d'espoir, on ne voit pas venir quelqu'un qui pourra peut-être nous sauver la vie, mais on veut compter. Lui, il s'est dit, ok, moi, je peux leur donner l'assurance qui est Jésus, il faut qu'on soit dans un lieu de prière. Et c'est ça, en fait, sa vision. On s'est dit, ok, voilà, on va vous accompagner par rapport à ça. Donc, ce n'est pas un choix, je peux dire, par rapport au cadre, manque de ceci ou de cela, mais ça a également une portée spirituelle, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'au-delà de l'album que nous sommes en train de mettre sur pied, vous écoutez, au-delà des beaux clips, des belles chansons, rassurez-vous que c'est une œuvre spirituelle que nous sommes aussi en train de faire. Donc l'écouter, quelqu'un peut être malade aujourd'hui, être guéri, quelqu'un a un problème, ça peut être débloqué, la solution peut venir en écoutant simplement les ondes de cet album ici. Voilà. Merci Dété. Pourquoi on a choisi de partager ces moments avec les orphelins? En fait, nous sommes dans des moments de festivité. Bon, souvent, ce genre d'activité se font dans des cadres. Et nous, on a décidé de passer ce moment avec les orphelins. Nous sommes dans des moments de festivité. Et la plupart d'entre nous ont souvent tendance à passer du temps en famille. Et dans des cadres entre amis et tout. Moi, ce n'est pas que j'ai reçu une vision qui me dit « Ah, ah, Esaïe, moi, ton Dieu, je t'ai dit, va prendre les orphelins. » Non, c'est un cœur. C'est mon cœur. J'ai décidé de partager ce moment, de célébrer, de dédier cet album ensemble avec les orphelins et de partager le peu que j'ai reçu, le peu qu'on a reçu avec les orphelins. Mais c'est aussi une manière, voilà, pour arracher, bien sûr, évidemment, pour arracher une bénédiction. Mais c'est aussi une manière pour moi de leur présenter le véritable assurance. Voilà, parce que tu peux commencer dans une orphelinat et finir à la présidence. Tu peux commencer zéro et finir héros. Donc je pense qu'au moment où tu as Christ comme assurance, ta vie est assurée. Même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as pas une famille, mais si seulement tu as Christ, Christ lui-même comble tous les vides. Donc pour moi, c'est un plaisir, une grande joie de partager ce moment avec
mes amis. Et moi, j'aime pas les appeler les orphelins parce que Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Au moment où tu es à Christ, tu n'es plus orphelin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ah. En fait, le bouclier, la parole de Dieu est en train de nous dire dans Psaume, la Bible dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Donc, le bouclier ici, n'allez pas dans des imaginations, c'est la représentation du Christ. Donc, au moment où tu as Christ comme bouclier, tu es intouchable. Dieu vous bénisse. Amen. La lumière derrière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et l'épée derrière. L'épée, c'est la parole de Dieu. Voilà. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu, très sincèrement, que je suis en ce midi la personne la plus heureuse. Je suis la personne la plus heureuse pour ce jour. Je peux dire comme Siméon, que même si je pouvais m'en aller. Non, je ne dis pas comme Siméon que là je peux m'en aller, non. Même si je pourrais m'en aller, je m'en irai avec tranquillité. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu quelque chose de grand se faire et se réaliser. Amen. Oh, amen. Moi, personnellement, j'ai souhaité ce moment. Je l'attendais comme ça, à bras ouverts. Je me disais, mais ça va arriver quand? Ça va arriver quand? Ce sera pour moi une manière de répondre à une question qui avait été posée la toute première de Isaac Maï. En fait, pour tous mes enfants qui ont marché avec moi, à un certain moment de ma carrière, je me suis vu dans l'obligation de les produire tous, si pas tout le monde, mais quelques-uns qui avaient quand même un signal fort par rapport à leur talent et leur grâce. Je me sentais obligé de les produire comme ça tous. Pour plusieurs raisons, mais je vais avancer une, la majeure, c'est que c'est des personnes qui ont témoigné un attachement, une fidélité comme pas possible tout au long de ma carrière. Je sais que très généralement, on a tendance à jeter les fleurs aux leaders que nous sommes pour oublier très vite ce qui nous donne de leur force, de leur énergie, pour que les choses soient justement ce qu'elles sont. J'en ai comme ça plusieurs. Je peux vous avouer que Esaïe, c'est l'une des grâces que le Seigneur m'a donné et pour laquelle je n'aurai en aucun jour de regret. De regret. Esaïe, c'est mon fils, mais un fils pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'amour, autant que je peux en avoir pour tout le reste de ses frères et ses sœurs, bien sûr. Je me rappelle, comme il a dit lui-même, le jour où je l'ai pris entre les mains de sa maman, j'ai dit, maman, donne-moi cet enfant. Donne-le-moi. Désormais, il devient mon fils. Et la chose que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai demandé à Esaïe de faire ses bagages et de me rejoindre chez moi à la maison. Il est avec moi, ça fait près de 10 ans. Près de 10 ans. Mais qu'est-ce qui n'a pas été une bénédiction pour moi personnellement? Personnellement. Je vous l'ai dit avec beaucoup d'émotion. J'ai fait un effort de ne pas verser les larmes parce que je suis quelquefois émotif comme ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Quand Madjabou Gospel a vu le jour, j'ai fait une demande à Madjabou Gospel très personnelle, directement au visionnaire. Je parle de Papa Roy et Maman Mariam Bondo. Je me rappelle que le DT Aristote Nzouzi était également là. Je leur ai dit, en dépit de toutes ces grâces que nous avons, ces artistes qui seront signés au sein du label, j'ai une grâce que j'aimerais sincèrement nous proposer. J'aimerais que nous la prenions.
et que nous puissions pas seulement signer, mais surtout aller le signer jusqu'à produire son album. Chose qui avait été faite. Pour cela, je dis un grand merci, la main sur le cœur, à ce grand label qu'est Majabu Gospel. Personnellement, à Papa Roy et à Maman Mariam qui auront l'occasion de nous suivre. Il n'y a pas qu'Esaïe que nous avons comme ça proposé au label. Il y a eu plusieurs autres qui sont également des fils de Papa Mike. Sinon, Gamaliel dira, ah, vieux. Mais par alors, j'ai béni également le Seigneur le jour. Je les ai vus tous, Gamaliel et la présence, Isée et plusieurs autres faveurs qui ont été les premiers à être signés au sein du label. Et ça a creusé un peu plus de temps. Isaac Maï, ça, je suis à une période où la compétition n'avait pas encore existé. Ah oui, la compétition n'avait pas encore existé. On ne connaissait pas encore Christian Mukuna. On ne connaissait pas encore Manasse Sinda. On ne connaissait pas encore Kimongoli, Matondo et les autres. Ils étaient déjà des artistes au sein du label. D'ailleurs, je crois qu'ils ont preuve, ils ont fait plutôt preuve de patience. Encore une fois, j'atteste que ce sont vraiment des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, pour avoir autant patienté. J'ai vu l'album de Gamaliel récemment lancé. J'ai vu plusieurs autres albums qui avaient déjà précédé Nick, David, Faveur et plusieurs autres. Rema et plusieurs autres encore qui vont venir. Si vous avez un œil regardant sur les labels, sur nos plateformes, vous allez constater qu'en ce décembre, en ce mois de décembre, il y a comme ça plusieurs albums qui sont lancés comme ça. D'aucuns diront, mais c'est fait en désordre. Non, c'est pas fait en désordre. Nous voulons comme ça bénir, mais au maximum, l'Église et les peuples de Dieu. Quelque chose m'a beaucoup touché aujourd'hui. Je n'étais pas là, j'étais absent du pays, je suis rentré avant-hier. Et j'apprends par le pasteur Samuel que la cérémonie du lancement officiel de l'album Assurance d'Esaïe devrait se faire ici chez nous. Je dis, ah bon? Comment ça? Et après, à cela a été joint également cet aspect des choses où nous avons des enfants orphelins qui viennent passer ce merveilleux moment avec nous. Je dis, mais comment ça se fait? On me dira après, quand je constatais le détail, contactais plutôt le détail, il me dira, c'était le choix de l'artiste lui-même. Ce n'est pas le moyen qui manque au label Majabu Gospel. Je sais que peut-être moi, à la place d'Esaïe, j'aurais voulu que mon album soit lancé au fleuve Congo Hôtel. J'ai vu d'ailleurs, la plupart de nos albums sont lancés là-bas, au Pullman. Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est mauvais de lancer là-bas. Parce que même moi, à la place d'Esaïe, je préférais que ça soit fait là-bas. Mais ça m'a encore fortement touché. Ça m'a prouvé combien ces serviteurs de Dieu, cet enfant, je vais le dire comme ça, est fidèle, pas seulement au pasteur Mike, son père, mais il est surtout fidèle à son église. Esaïe, que Dieu te bénisse. Je vois, je constate que nous sommes en train d'essuyer. Il y en a comme ça qui ont des éventails en train de copopola dans des conditions comme ça. Oui, Esaïe a accepté que ça se fasse comme ça. Et à cela, il a joint les enfants. Ah oui, nous pouvons acclamer le Seigneur, pourquoi pas. À cela, il a joint les enfants. Il aimerait partager avec eux ce moment. J'aimerais prophétiser. Je ne vais pas m'empêcher de le faire et de le dire. Esaïe, à cause de cela, je prie et déclare au nom de Jésus que cet album ne connaisse aucune barrière sur son parcours. Je déclare au nom de Jésus, je le proclame, que Assurance sera un album qui aura béni et apporté édification à plus d'une personne. Je le crois tellement, je le sens dans mes os, je le sens dans mes veines, je le sens au-dedans de moi qu'encore une fois l'église de Jésus est visitée par un album. Est-ce que tu crois à cela avec moi? Alors ainsi dit, j'aimerais t'inviter, s'il vous plaît, nous allons nous tenir debout. Je demanderai à Esaïe de venir à genoux
Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et plutôt, reste à genoux, please. Reste à genoux. Nous voulons prier pour Esaïe, notre frère. Aujourd'hui, il est honoré, c'est son jour. Il vient comme les jeunes David pour être honoré parmi le sien, parmi ses frères, parmi ses sœurs. C'est notre héros aujourd'hui, Esaïe. C'est notre héros. Pendant longtemps, il était dans le noir. Pendant longtemps, il était dans l'anonymat. Aujourd'hui, il a prié au Seigneur d'arrêter le temps, de nous convoquer, nous tous ici, exactement comme ce fut avec les jeunes David. On est allé les prendre dans le noir où il était, parce que c'est lui l'homme de la journée, parce que c'est lui l'homme du moment. J'aimerais, s'il te plaît, que tu lèves tes deux mains là où tu es. Dirige-moi tes deux mains en direction d'Esaïe. J'aimerais que nous puissions les bénir. Que nous puissions les bénir. Que nous puissions les bénir. Il est dit que celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète, c'est celui-là qui reçoit la bénédiction du prophète. Vous savez ce que cela veut dire? Parce que très généralement, je fais un constat, c'est que nous avons l'habitude d'aimer les contenus pour très vite négliger les contenants. Alléluia. On te donne une enveloppe, tu es curieux à savoir très vite ce qu'il y a dedans pour jeter l'enveloppe après. C'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise appréciation des choses. Rappelez-vous que Dieu a d'abord jeté un regard favorable sur les contenants qui étaient Abel avant de n'approuver son offrande. J'aimerais que tu apprécies cette grâce. Lève tes deux mains en sa direction. Tu vas dire merci Seigneur pour Esaïe. Merci pour cet adorateur puissant. Cet adorateur puissant que tu es en train, que tu avais déjà oint, mais que tu veux encore oindre de manière spéciale aujourd'hui pour une mission spécifique. Alléluia. Nous allons le recommander à la grâce de Dieu. J'aimerais que tu les bénisses. Que tu dises et déverses sur lui toutes les bonnes paroles selon que tu les sens dans ton esprit. Est-ce que tu peux, nous pouvons ensemble lever nos deux mains en sa direction et commencer à rendre grâce à Dieu. S'il te plaît, prie. Bénis le Seigneur pour Esaïe. Le temps ne nous permettra pas de dire ce que représente ce merveilleux frère. Il est véritablement une grâce que Dieu a donnée à l'Église à l'heure où nous sommes. J'aimerais que tu apprécies la grâce qu'il est. Bénissons Dieu pour Esaïe, bénissons Dieu. Élevons nos voix et prions ensemble. Est-ce que nous pouvons saturer ces lieux de nos prières, s'il vous plaît? Élève tes deux mains, prions ensemble. Prions, 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 prions. Seigneur, il vient comme David devant ses frères et sœurs. Je bénis Dieu pour différents serviteurs et servantes, chantres présents dans cette salle, pour des serviteurs dans cette salle, ses frères, ses amis. Et il a plu à toi en ce jour devant tout le monde. Merci Jésus. Merci. 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 Vas-y, monte, monte. Assurance, Yalibo, Sanangae. J'aimerais les sentir. Tout le monde, s'il vous plaît, pas au micro, mais tout le monde, toute l'assistance, encore une fois.
assurance à Esaïe Ndombe, Esaïo, Esaïo, Yahweh. Assurance la vie, le loyo. Assurance, yami de mayabana, Esaïo, Esaïo, Yahweh. Seigneur, mon côté a talé la yo, voyo kasoni. Hey, assurance, ya banana zambe, Esaïo, Yahweh. Assurance, ya bana kombo, Esaïo, Esaïo. J'aimerais que nous puissions approcher. Nous allons comme ça l'entourer. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce jour. Ce jour tant souhaité. Nous avons rêvé de ce jour. Et voilà qu'autant marqué par toi-même, tu l'as rendu possible. Au-delà de nos calculs, au-delà de nos capacités, nos possibilités. À un moment, nous avions voulu même le repousser pour un peu plus tard, mais tu as voulu que ce soit en ce moment que nous prenions part à ce grand jour. Grand jour, parce que je vois un rêve se réaliser. Grand jour, parce que je vois une promesse prendre corps. Grand jour, parce que je sens une soif être étanchée. Grand jour, parce qu'il y a une âme qui avait faim, mais qui sera finalement rassasiée. Rassasiée parce que tu fais, parce que tu as déposé en ton serviteur comme potentiel. Merci pour Esaïe. Merci pour Esaïe. Merci pour Esaïe. C'est comme quand on pouvait décrire Élisée, on dit, c'est ce jeune homme qui versait le main, plutôt l'eau, dans les mains d'Élie. Aujourd'hui, je dirais de lui que c'est ce jeune homme qui servait Mike Kalambay. Seigneur, il est un signe de fidélité. Il est un signe de loyauté. Il est un signe d'attachement. À cause de cela, je parle au ciel, je parle à la terre. Ce jour, il vient marquer un nouveau départ dans la vie d'Esaïe. Je déclare que ce jour soit un jour qui restera inoubliable dans toute sa vie et dans toute sa carrière. Seigneur, je crois que tu le prends de quelque part,
mais pour quelque part d'autre de glorieux. Merci. Merci d'atteindre tes objectifs et tes plans dans la vie d'Esaïe. Seigneur, je prie et déclare qu'aucune puissance du monde des ténèbres, qu'aucun fléau de cette génération ne l'arrête à mi-chemin dans le nom de Jésus. Les dieux de l'Alliance, les dieux de ma jeunesse, je fais appel à toi. Je les recommande à toi et à ta grâce. Merci d'être son assurance. Même quand le malheur arrivera, même dans les moments du soir, de la nuit, dans la carrière, moi-même j'ai goûté à ça, je sais à quoi ça ressemble. Jésus, je te prie, même dans les moments compliqués, au moment où il aura comme impression qu'il est au bout du mur, sois le Dieu qui le délivre. La Bible déclare, le malheur peut atteindre le juste, mais toi Dieu, tu l'en délivres toujours. Merci d'être son assurance. Confie entre tes saintes belles mains. Sois le Dieu qui les couvre. Sois le Dieu qui les protège. Merci de l'agréer encore une fois en ce midi. C'est lui justement l'homme de ce jour. Je prie que ton regard demeure constamment sur lui. Merci d'agréer également Assurance, cet album qui vient pour un objectif, celui de ramener les cœurs des fils et des filles au Père que tu es. Seigneur, nous bénissons cet album. Je le déclare béni, que toutes les personnes qui sont et seront en contact avec cet album sois visité par toi, sois édifié par toi. Que cet album ne parle et ne présente que la personne de Christ et personne d'autre. Seigneur, je prie au nom de Jésus que quiconque pouvant se retrouver dans quelconque coin du monde et qui sera en contact avec cet album, que cet album soit un catalyseur de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos cultes, dans nos moments de prière, et cela dans le nom de Jésus, même dans nos moments de joie. Comme je le disais tout à l'heure, que rien ne s'érige en barrière, en obstacle devant ce projet. Même quand cela pourra arriver, ce ne sera pas à ce pouvoir ténébreux d'emporter cet album ou de placer un voile noir sur ce projet. Mais ce sera Esaïe et Assurance de l'emporter avec eux. Dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons, Père, que tu les capacites en ce moment pour être à la hauteur de ce à quoi tu l'appelles. Parce que toute la fois que tu as appelé, tu as aussi rendu capable. Tu es un Père responsable. Tu n'es pas ce Dieu-là qui, lorsqu'il appelle, il croise tout de suite les bras pour que celui qu'il a appelé se débrouille. Non, Esaïe n'aura pas à se débrouiller seul sur ce champ.
rocailleux sur ce champ compliqué, surtout en cette période, en cette génération où les pots des bananes sont de part et d'autre. Seigneur, je prie que tu les prennes en charge. Que tu prennes en charge cet album. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi dit, je déclare comme ton serviteur que cet album vient inaugurer un nouvel air dans les milieux ecclésiastiques. Seigneur, pas un culte sans assurance. Pas une seule rencontre des enfants de Dieu sans assurance. J'impose assurance dans nos maisons. Je l'impose dans nos familles. Je l'impose dans nos fêtes. Je l'impose même dans nos deuils. Yes. Je l'impose dans toutes les situations et circonstances de nos vies. Qu'assurance devienne un ami et un compagnon de tous les jours. Seigneur, je veux. Je l'ai vu, je ne parle pas des choses que je ramasse en l'air. Je pouvais me rappeler que je sortais des albums. Le matin, il n'y a rien. Mais les après-midi, le monde est comme sous une mouvance. Oui, je crois que ce que tu as fait avec moi, tu peux le faire avec Esaïe. Amen. Je crois que ce que j'ai vu, moi, dans ma carrière, tu vas le faire avec Esaïe. Mais avec Esaïe, tu vas aller au-delà. Seigneur, une fois, tu m'as dit, Mike, demande-moi les nations, je vais te les donner. Seigneur, qu'est-ce que tu ne m'as pas fait du bien dans ma carrière à moi personnelle? J'ai vu les nations, les portes des nations s'ouvrir devant moi. Là où mes études ne m'ont pas amené. Là où mes connexions ne m'ont pas amené. Là où les parents, leurs efforts ne m'ont pas poussé. Mais toi, tu l'as fait grâce à la chanson, grâce au micro. Seigneur, j'ouvre les portes du monde à cet album et à Esaïe. Qu'il sillonne le monde, pas pour son honneur, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Jésus. Que l'Europe le réclame, que l'Amérique le réclame, que l'Afrique profonde le réclame. Seigneur, que l'Asie le réclame. Que le monde le réclame au nom de Jésus. Que la RDC, tout ça au départ de la RDC, qui sera en premier affecté par ce projet? Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Nous croyons tellement en toi nous plaçons notre confiance. Je sais que toi qui as commencé, tu vas achever parce que tu es le Dieu des œuvres accomplies, le Dieu des œuvres achevées. Seigneur, tu ne nous donnes pas assurance pour que ça souffre des promotions, ça et là, et comme un album abandonné, misérable. Non, 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 non. Ça, c'est un projet qui vient avec un objectif bien précis, celui d'apporter édification. Celui de rapprocher les cœurs de plusieurs à toi. Merci d'atteindre cet objectif. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esaïe, lève-toi. Lève-toi. Écoute, Esaïe. Va avec la force que tu as. Tu es un vaillant héros. Tu sais combien moi j'ai toujours cru en toi. J'ai vu ça il y a plusieurs années en arrière. Mais laisse-moi te dire que Libosoto Kende, ça va être encore plus glorieux que ça. Va. Triomphe. Gagne. Sois victorieux. Esaïe, fais, agis, crée, même dans les moments compliqués, sois fort. Car tu n'es pas seul, tu as Christ avec toi.
tu n'es pas seul. Tu as Jésus qui est ton assurance. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit ton partage. En ce jour où ton album est disponible sur les plateformes, je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi un signe dans cette génération. Que Dieu te distingue parmi plusieurs, j'ai dit plusieurs, ceux et celles de ta génération. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, acclame bien le Seigneur, acclame bien Jésus, acclame-le bien. Capage TV. Capage TV.